Hello tout le monde, c'est Okapi, comment allez-vous les gens? Moi je vais hyper bien, j'ai la grande forme. C'est juste ma troisième tentative de vidéo parce que je vais vous expliquer après, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un mode assez sympa qui se nomme le mode Hunger Games. Donc en solo, donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc vous mettez le titre que vous voulez, puis autorisez les commandes parce que comme ça vous pouvez vous mettre le game mode, c'est plus pratique. Donc voilà. Donc, sinon, il y a plein de tutoriels sur YouTube comment installer le mode, donc je vais pas vous faire un tutoriel. Je vais juste vous expliquer vite fait comment le manipuler et lancer une partie. Donc, tout d'abord, le mode Hunger Games, vous jouez contre des fausses personnes donc, qui dotent d'une intelligence artificielle. Parfait, je tombe sur un bon biome dès le début. Donc, normalement, vous spawnez avec un médaillon, en fait. Donc, ce médaillon, c'est ça. Donc, si vous voulez pas, prenez tous mes items et puis voilà. Donc, oh, un village PNJ. Est-ce que ça va gêner? Non. Non, ça va pas gêner. Donc, attendez. La map se génère. Je vais attendre de monter un peu plus au FPS là. Allez. Ouais, c'est bon. Donc, vous faites clic droit avec. Vous faites yes. Et là, vous aurez une sorte de un petit menu. Comme ça. Donc, le countdown, c'est après avoir appuyé sur start, combien de secondes ça met pour commencer. Je vous conseille de mettre un petit temps. Comme ça, bah, vous attendez pas 3 piges. Le tribute, les tribus, donc en français, une tribu, c'est le nombre de personnages qu'il va y avoir, donc 12. Donc mettez ce que vous voulez, il y a voilà, le choix. Évitez trop beaucoup, parce que si vous mettez beaucoup, ça va crasher. Enfin, si vous avez un bon PC, je vous le recommande. Parce que, bon. Moi, je peux mettre plus, hein, mais bon, je vais mettre 12 pour pas que ça soit trop long, et puis pour que je gagne, voilà. Si vous, ça c'est si vous voulez commencer avec quelques items, donc une petite épée, ça fait plaisir de commencer avec. Donc mettez tout, hein, mettez oui, c'est peut-être plus pratique. Ça c'est si vous voulez que vous ayez vous et les ennemis le pseudo au-dessus de votre tête. Ça, bon, on peut pas toucher, c'est grisé. Ça c'est si à combien de blocs vous allez spawner des autres. Et les autres vont spawner à côté des autres. Donc 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs, on peut pas faire plus. Donc moi je mets 3. Voilà. Ça c'est la difficulté. Donc très simple, simple, normal, difficile, très difficile, vraiment très difficile. Donc moi je vais mettre en facile parce que tout à l'heure en normal j'ai pas tenu une seconde. Je sais pas pourquoi, à cause des frises, je peux pas tenir beaucoup. Et pillard, ça c'est. Non, c'est pas sur un W3, la toupie pillard. Bref, on s'en fout un petit peu. C'est sur quoi vous allez spawner. Donc biome sur du bois, sur un arbre. Voilà. Et classique sur du fer. Donc voilà, vous appuyez sur start. Dans 10 secondes, évitez de bouger pour éviter que ça lag trop. Enfin, moi, vu que je filme, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est parti, j'ai spawné avec une épée. Alors, la Corocupia, elle est où? Oh putain, salut toi. Je vais vite y aller pour prendre une petite épée. Oui, une épée, parfait. De la bouffe, c'est bien. Donc les mecs ils font hyper mal, hein. Ça je tiens à le dire. Je vais vite réparer l'épée. Oui, le petit bug, hein. Voilà. On a rien vu. Et si vous gagnez l'Hunger Games, vous gagnez 30 quelques diamants. Donc pour vous faire un stuff en diams, voilà, c'est comme si, comme quand vous gagnez un Hunger Games, bah vous êtes super VIP. Bah là c'est un peu pareil. J'aime bien le petit principe. Ça c'est assez sympa. Donc là déjà il reste plus que 5 personnes. Donc si c'est rapide, bah, j'en ferai un autre, ne vous inquiétez pas. Parce que j'en ai mis 12, donc bien sûr, bah, c'est chacun pour sa peau. Hein, si vous connaissez le vrai ingrédient. Oh, du stuff. Salut toi. Oh putain. Oh, il résiste, lui, hein. Il est résistant. Ah, il m'a pas donné son arc. Je sais pas pourquoi. Dommage, parce que lui, il campe là-haut, là. Comment je vais faire pour monter? Ah, mais oui, mais son spawn, il était en haut. Oula, toi. Il est où? Il est où? C'est bon, il est mort. Donc ça ajoute aussi des armes. Donc qu'est-ce que je dis par arme? Un couteau de lancier. Donc vous, normalement c'est clic droit, mais moi je sais pas, il bug. Je peux pas le lancer en fait, c'est bizarre. J'ai pas trouvé la touche. Mais c'est pas grave. Donc là, il reste combien de personnes? 3 personnes. Donc 2 personnes. Si je me compte pas. Donc on peut casser des blocs. Hein. Donc lui, par exemple, ne vous inquiétez pas. Je vais aller le dénicher. Parce que là, il campe. Hein, il bouge pas. Hein.
Bon, l'intelligence artificielle, voilà. En mode very easy, là, je vous signale qu'en hardcore, je serais déjà mort, en fait. Et il serait déjà venu me décamper depuis le début. Oula. Salut. C'est bon, il est mort. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis, lui? Il m'a mis la nausée. D'accord. Bon, par contre, ça fait mal au cœur. Si vous gerbez, bah là, c'est pas ma faute, hein. Donc, vu que j'ai Optifine, je peux zoomer. Je le vois pas. Donc, bien sûr, peut-être le petit défaut, on peut pas cibler. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave. Ah, voilà, je vois son pseudo. Putain, oh les amis, il est... Oh putain. Oh non, j'ai frisé. Putain, je me casse. Je fais pas le malin avec ce genre de mec. Oh putain. Oh les amis, mais lui, il est fort, lui. Putain, oh. Oh les mecs, je suis en mode very easy, là. Non, quand même pas, parce que bon. Oui, c'est bon, j'ai pu bouffer. Ne vous inquiétez pas, je vais régène. Et puis je vais aller le défoncer. Alors eux, même s'ils ont un poulet dans la main, je comprends pas, ils vous enlèvent la moitié de votre vie. Si vous êtes nos stuff. Oui, c'est un peu cheaté. Des fois, vous comprenez pas. Mais bon. Bon, il fait pas trop mal avec ses flèches là. Mais bon, j'ai pas envie de... Oh putain, mais oh, il s'est bien visé en plus, hein. Putain, on dirait un vrai joueur. Normalement, là, le mec, il m'aurait pas coursé, déjà. Donc voilà, bon, des fois, vous allez tomber contre des PGM. C'est un peu chiant. Je vais attendre de régénérer. Oui, je l'ai tué. Yes. Non, 32 diamants. J'ai gagné. Donc, voilà. Donc, je sais pas si je refais une petite... Je sais pas, donc si vous gagnez, voilà. Donc vous gagnez ça. Voilà, autant prendre ça. Bon, écoutez. Hein, écoutez, c'est le fun. Parce que je vais pas pouvoir faire de vidéo. Donc je vais mettre en créative. Je vais prendre une table de craft. Et puis, bah écoutez, je vais me faire un stuff. Hein, voilà. Parce que moi, c'est ce que je fais. Vu que vous gagnez du diamant, bah autant vous faire un stuff. Hein. Déjà, je sais pas faire un stuff. Oui, j'ai déjà des jambes, donc ça sert à rien de refaire. Oh merde, gros fail. Comme ça va aller plus vite. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Oui, donc je vais me mettre en créative. Je vais prendre des bois pour me faire une petite épée. Donc voilà, survival. Ça, je peux jeter. Oh putain, le con. Excusez-moi, mais j'ai carrément fail. Donc, bien sûr, ça reste à l'endroit où c'est. Donc, bien sûr, faut essayer de s'éloigner. Sinon, si vous mourrez, en fait, vous allez respawn et vous pourrez reprendre le stuff. Et en fait, si vous avez du stuff sur vous et que le Hunger Games commence, ben, en fait, vous allez toujours garder votre stuff. Donc si vous mettez un full diams avant de commencer, vous aurez quand même votre full diams pendant l'Hunger Games. Donc c'est un peu cheaté. Donc voilà, après c'est pas vraiment du jeu. Donc c'est reparti, voilà, je lance. Par contre, il faudra que j'aille à la Corocupia, donc au coffre là, pour prendre des flèches. Parce que là, un arc sans flèche, c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc je vais essayer de le gagner. Hein. Écoutez, bah voilà, hein. On est des ouf. Non, c'est pas le même, bien sûr. Hein. J'ai... Oh putain, ça frise. 28 flèches, c'est bon. C'est parfait. Putain, ça lag. Oh putain. Et il m'a mis quoi lui? Ouais, lanterne, je me disais bien aussi. Ouf. Encore 5, comme tout à l'heure. On va le shoot. D'accord. OS. Ils sont où? Oh putain, attendez, ça lag.
On va attendre de se régénérer. Je tourne à combien là? Ouh, putain. Je sais pas si vous allez voir les lags, mais en tout cas. Ouh là, là-bas, il y a une team de 2. Ok, go. Je crois qu'il y en a, il va tuer l'autre. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils se tapent pas? Ok, 2-1. Allez. Bon, lui, il est un peu nul, mais... Lui, je vais essayer... Oh, le long shoot. Pourquoi je l'ai pas, là? Voilà. Allez. Merde, j'ai plus de flèches. Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Bon, voilà, les amis, vous aurez vu 2 Hunger Games. Donc, allez voir des tutoriels. Je ferai peut-être un tutoriel, mais bon, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas encore gagné. Hein, mais bon, vu son stuff, il a l'air de puer un peu la merde. C'est bon, j'ai tué. Voilà. Bon, bah, ça fait plaisir. 2 Hunger Games à la suite en mode, bon, easy, d'accord. Mais bon. Allez, et ben moi je vous dis à plus et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.